S'il y a quelqu'un qui aime Dieu, fais-le savoir par un amen d'amoureux ici. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa magnifique présence pour ceux qui le peuvent. Gloire à Dieu. Dis amen. Gloire à Jésus le Christ. Waouh, quelle semaine. Waouh. Quand je dis waouh, il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Waouh. Quelle semaine. Quelle semaine. Waouh. Nous avons une semaine de grand rafraîchissement spirituel, d'intensification de sa gloire. Vous vous rendez compte que nous sommes tenus là du lundi, du 6h, de 6h à 18h chaque jour. Ce n'était pas pour prier, comme on fait d'habitude nos 60 heures de prière. Le Seigneur avait dit, tenez-vous là et rendez des actions de grâce. Offrez-moi un culte qui m'est agréable. Et nous nous sommes tenus là, pas pour intercéder en tant que tel, quoique quand on sert Christ dans son humanité, en chantant, on prie aussi. Quelqu'un dit amen. Mais on a juste pris, on a juste eu à cœur d'adorer. Dieu a opéré des choses extraordinaires. Vous vous rendez compte que c'est la première fois qu'à l'église, les gens, enfin ce n'est pas la première fois, ça a commencé depuis un certain temps, mais où ce n'est même pas celui qui est en train de conduire qui forcément reçoit des paroles. Même les frères dont l'assemblée, à peine quelques mois de conversion, remplis du Saint-Esprit, commencent à prophétiser sur la vie des autres. Voilà ce que le Seigneur va faire, voilà ce que le Seigneur dit que tu es. Vraiment, c'était juste waouh, c'était juste glorieux. Comment les gens ont été guéris, d'autres libérés, comment, non mais c'est... J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est. Et ce n'est que le début du commencement. Hein? Parce que 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le. Ah oui, hein, il faut le dire, hein, parce que ça a bien commencé. 2019, c'est mon année d'accroissement et d'expansion par le. Donc ça va se faire de manière surnaturelle par la puissance du merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le glorieux Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre en chacun de nous et il est fidèle pour l'achever. Béni soit le merveilleux Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit envoyé par le Père. Il emmène la présence du Père. Béni soit le Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous te bénissons. Oui, nous t'acclamons. Vraiment, nous t'acclamons. Nous acclamons tes œuvres. Nous acclamons tes œuvres. Nous acclamons tes actes, nous acclamons ta puissance, nous acclamons ta personne, nous acclamons ta main puissante. Béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus le Christ et présent par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui emmène la présence de Jésus et qui poursuit le travail que Jésus a commencé et a terminé. Pendant son ascension, il a envoyé le Saint-Esprit 10 jours après son ascension. Béni soit l'Esprit de Jésus. Béni soit l'Esprit de Jésus. Hosanna au Saint-Esprit. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux célestes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qu'il a agréés. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth le Christ. Il est revenu 10 jours après l'ascension par le glorieux Saint-Esprit, l'envoyé de la présence de Dieu, l'envoyé du Père et de Jésus glorifié s'appelle le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Hosanna, ô Saint-Esprit, nous apprécions ta présence, nous apprécions tes œuvres, nous apprécions tes actes magnifiques. Béni soit le Saint-Esprit, le divin enseignant, l'éducateur, le conseiller, le Père qui est en nous, le Christ qui est en nous. Béni soit le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Reçois nos acclamations, reçois nos ovations. Tu es digne d'être apprécié. C'est toi qui fais les œuvres du Père et de Jésus le Christ. Oh, béni soit ta présence et tes œuvres. Gloire soit rendue à Jésus le Christ. Pour le don du Saint-Esprit, grâce soit rendue à Dieu le Père. Pour le don de son Esprit. Si tu es d'accord avec cela, donne un amen en l'honneur du Saint-Esprit. C'est par lui que ton expansion, ta croissance, ta force cette année sera établie. Ça ne sera pas en 2020. 2020, l'Esprit de Dieu a un autre programme. Mais pour l'instant, son programme de cette année 2019, c'est que tu grandisses.
c'est que tu sois plus intense, plus consistant, plus lourd dans tout ce que tu fais. Tu dois augmenter. Là où on t'avait bloqué des années, dans les années antérieures, cette année tu verras des choses étranges, des déblocages étranges, des choses magnifiques étranges se produire par la puissance du Saint-Esprit. En l'honneur de l'Esprit, dit Amen. Oh oui, il a commencé cette belle œuvre. Il est fidèle pour l'achever. Oh, dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir. Et ce thème qu'il est en train de nous enseigner, je dois vous dire que vraiment c'est un thème merveilleux, magnifique. Comment accueillir le Saint-Esprit? Comment honorer le Saint-Esprit? Ou encore, comment accueillir la gloire de Dieu? Comment faire pour que la gloire de Dieu vienne et qu'elle demeure dans son Église et qu'elle demeure dans ta vie de manière palpable? La gloire de Dieu, c'est quand on parle de la gloire de Dieu en hébreu, c'est kaobod. Dis avec moi kaobod. Dis avec moi kaobod. La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste. Kabod veut dire la gloire. Kabod veut dire aussi le poids, la lourdeur, la pesanteur. La pesanteur, c'est-à-dire quand tu sens que Dieu est là. Il est toujours là, hein, mais il ne se manifeste pas toujours, non. Mais quand la gloire, la présence lourde de Dieu se manifeste quelque part, oh, et qu'on prend le temps de l'adorer, de l'honorer, il manifeste sa puissance, il envoie ses paroles, il débloque les destinées, il libère les vies, il guérit, il change les sorts, il fait des choses étranges. Nous n'avons même pas demandé cela, mais il le fait parce que nous avons eu à cœur de l'honorer. Oh, dis Amen. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit Dieu notre Père. Béni soit Jésus notre Seigneur. Présent par le Saint-Esprit. Ce thème était un thème extrêmement important, puisque cette année, c'est l'année où il a dit qu'il allait intensifier la gloire. Et nous sommes en train de le voir. Nous sommes en train de le voir comment il est en train d'intensifier sa présence. C'est-à-dire qu'il rend sa présence beaucoup plus lourde. Quand l'onction de Dieu est là, si je prêchais avec l'onction, je vais prêcher mieux. Quand l'onction de Dieu est là, si tu chantais avec l'onction, tu vas chanter encore davantage. Quand l'onction de Dieu est là, si tu étais intelligent, tu seras encore excellemment intelligent. Mais quand la gloire de Dieu est là, si tu prêchais, tu ne pourras pas prêcher. Tu vas te mettre de côté. Quand la gloire de Dieu est là, on ne parle pas. On s'écarte. On laisse Dieu faire ses œuvres. Quand la gloire de Dieu est là, si tu chantais, il est fort probable que tu ne puisses plus chanter. Tu vas te retrouver soit à sauter comme on a vu cette semaine. Et les gens qui volaient entre les chaises et qui tombaient tout seuls. D'autres qui pleuraient tout seuls. D'autres qui étaient remplis de l'esprit, étaient équipés de... C'est tellement magnifique ce que nous avons vu cette semaine. Oh, ça va continuer. Dis Amen. Oh. Assurément, cette année sera vraiment l'année de l'intensification de sa magnifique présence. Autrement dit, on va savoir par nous que Dieu est réel. Ils nous ont insultés. Ils vont venir, ils vont dire... Mais Dieu est vraiment ici. Mais Jésus est vraiment ressuscité. Mais Jésus est vraiment vivant. Ils le diront. Et ils vont venir les déposer les fétiches ici là. Voilà les marmites que j'avais prises. Tu vas venir te repentir ici. À cause de l'intensification de la magnifique présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes en train de voir depuis quelques semaines maintenant comment devons-nous, que faire pour accueillir la magnifique présence de Dieu. La gloire, dis avec moi la gloire de Dieu. Oh, quand on, donc, retiens bien, quand on parle de la gloire, ce n'est pas juste, là, Dieu est toujours présent, mais la gloire, c'est la présence où maintenant Dieu se manifeste. Tu sais maintenant que Dieu est là. Il ouvre tes yeux et tu le vois. Il ouvre tes oreilles et tu entends des choses que tu n'entendais pas. Quelqu'un me dit Amen. Et ils te rendent capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Nous avons vu la semaine dernière, je ne vais pas répéter les points qu'on a déjà vus ensemble, j'étais au 7e point, que lorsque la présence de Dieu est là, nous devons l'honorer. Et une des manières d'honorer Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu qui emmène la présence glorieuse de Dieu, dit avec moi le Saint-Esprit, nous devons donc apprendre à servir Dieu ou encore à servir le Christ. Dis-moi Amen. Lorsque la gloire est là, nous devons apprendre à servir. Et nous avons vu qu'il y a deux exemples, il y a deux modèles de service. Et ces modèles de service nous sont révélés par le récit de Marthe et de Marie. Dans la maison de Marthe et de Marie, Jésus aimait aller.
Jésus aimait se rendre dans cette maison. On a vu pourquoi. Parce que c'était la maison où il avait en lui réservé toujours un meilleur accueil. C'est-à-dire que le Christ va quelque part et il est tellement bien accueilli qu'il a envie de revenir. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui emmène la présence de Jésus le Christ aujourd'hui sur la terre, partout sur la terre, on doit l'accueillir, nous devons l'accueillir. Nous devons l'accueillir par une attitude de service. Nous avons vu ensemble qu'il était bien accueilli. Toi aussi, tu dois apprendre à bien accueillir sa magnifique présence. Et nous avons vu que ces deux femmes le servaient et elles prenaient du temps avec lui. Marthe servait le Christ Jésus dans son humanité et Marie le servait dans sa divinité. Oh oui, nous devons apprendre, nous, Église, à servir Christ dans sa divinité et dans son humanité. Dans sa divinité veut dire que nous devons apprendre à prendre le temps de l'honorer, de le glorifier, de le célébrer, de l'apprécier, de le bénir, de l'exalter, de le chérir, de lui offrir notre amour, de lui offrir notre reconnaissance. Nous devons prendre le temps. Dis avec moi, il faut prendre le temps. Du dimanche au dimanche, du lundi au lundi, du mardi au mardi, il est indispensable que je prenne le temps devant Dieu, parce que Dieu est venu habiter en moi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu. Et il faut prendre le temps par le Saint-Esprit d'offrir à Dieu un culte, un service qui lui soit agréable. Et ça doit être ta vie de tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, en principe tous les jours, tu dois avoir des temps où tu te tiens seul dans sa présence ou avec quelques frères, juste pour l'honorer. Avant de commencer à prier, ô éternel mon Dieu, mon roi éternel, avant de commencer à bombarder les sujets de prière, d'abord un temps pour l'honorer. Oh, quelqu'un dit amen. Nous avons vu que l'église d'Antioche avait compris le mystère du service. L'église d'Antioche avait compris dans acte 13, on nous montre comment, acte 13 verset 2, comment à Antioche, ces cinq personnes qui étaient assemblées, il est écrit que pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils rendaient un culte, dis avec moi, ils rendaient un culte. Dis avec moi, je rends un culte à Dieu. Donc pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu et qu'ils jeûnaient, exactement ce que Dieu nous a fait la grâce de faire cette semaine. Rendre un culte à Dieu dans une attitude de jeûne. Waouh! Et pendant qu'ils le faisaient, la parole est sortie. Le Saint-Esprit maintenant a commencé à parler. Il a débloqué les destins. Il a dit, toi Paul et Barnabas, je vous ai appelé pour tant, tant. Maintenant, mettez-vous en route. Après avoir servi Dieu dans sa divinité, ils ont quitté le lieu de prière pour aller maintenant servir Dieu dans son humanité. C'est-à-dire aller annoncer la bonne nouvelle. Aller gagner les âmes. Aller sauver les perdus. Devenir des missionnaires, des ambassadeurs de Christ. Les deux doivent aller ensemble. On va voir la semaine prochaine comment servir Dieu dans son humanité. Dis amen et je continue. Nous sommes en train de voir comment servir Christ dans sa divinité. C'est le faire en lui rendant un culte qui lui soit agréable. Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que Dieu aime? Quand on dit un culte qui soit agréable, ça veut dire quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Ne viens pas juste prier pour prier, pour m'assurer que ma prière lui a fait plaisir. Faut m'assurer que mon chant a fait plaisir à Dieu. Sinon, ce n'était pas la peine de chanter. Ah non. Ce que je donne à Dieu doit être agréé. Ça doit lui faire plaisir. Parce que le Père a des sentiments. Des fois, il est en colère. Des fois, il est dans la joie. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Dieu prend plaisir lorsqu'il voit des vrais adorateurs. Il nous a dit la semaine dernière, dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, elle a déjà commencé et ça continue avec toi et moi. » Où les vrais adorateurs, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit, par l'esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père exige. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dis avec moi, Dieu cherche. Donc il te dit, le Père, lui, il cherche. Le Père a toujours cherché des adorateurs. Mais les vrais, pas les faux, mais les vrais. S'il dit vrai, ça veut dire qu'il y en a des faux. Il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On a vu que adorer Dieu, c'est aimer Dieu profondément. Adorer Dieu commence par un amour qu'on développe pour Dieu. Personne ne naît de nouveau en aimant Dieu, mais on apprend à aimer Dieu.
on apprend à aimer Dieu. Un enfant qui naît dans la famille apprend à aimer ses pères, son père, sa mère. Il apprend à aimer ses frères, ses sœurs. De la même manière, aimer Dieu, ça s'apprend. Et c'est une marche progressive. La vie chrétienne, quand on est né de nouveau, on est sauvé par la grâce de Dieu. La priorité d'après, c'est maintenant d'apprendre à connaître Dieu. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à chérir Dieu. Pas à aimer le pasteur, mais à aimer Dieu. Pas à aimer les hommes de Dieu, mais à aimer Dieu. Pas à apprécier d'abord les hommes de Dieu, mais à apprécier Dieu. À célébrer Dieu, à bénir Dieu, à être attaché à Dieu. Être attaché à Jésus le Christ. Aimer Jésus de tout son cœur. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas aller à l'église, non. Parce que beaucoup vont à l'église sans aimer Dieu. Non. Si on va à l'église, c'est pour être entraîné, pour être formé, être éduqué, à aimer Dieu, à chérir Dieu, à être attaché à Dieu, à plaire à Dieu, pas aux hommes de Dieu, mais à Dieu. Et quelqu'un me dit Amen. C'est une grande tristesse pour le cœur de Dieu que de voir que tous les hommes cherchent à plaire au pasteur. Mais ils ne veulent pas plaire à Jésus. Ils ne veulent pas honorer le Saint-Esprit. Ils ne veulent même pas connaître Dieu. Si tu es à ICC, tu cherches à plaire au pasteur, tu as déjà perdu d'avance. Le pasteur, lui, cherche à plaire à Dieu. Celui qui m'aime doit aussi plaire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc on a vu qu'adorer Dieu veut dire proskouneo, c'est-à-dire d'abord aimer Dieu profondément. Dis avec moi, aimer Dieu profondément. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur. Mais toi, tu as déjà commencé à aller de profondeur en profondeur. Et cette semaine, par sa grâce, Dieu a rempli dans les nouvelles profondeurs des multitudes d'entre nous qui sommes déplacés. On dit Amen et je continue. Adorer Dieu, c'est se soumettre à Dieu, soumettre sa volonté, ses désirs, ses intérêts. Ses projets, tout, c'est s'offrir en sacrifice, etc. Et pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit, mais regarde mon fils, dans le ciel, tout ce qui est dans le ciel prend constamment du temps pour offrir à Dieu de l'adoration. Il a dit sur la terre, Dieu cherche des adorateurs. Dans le ciel, Dieu est constamment adoré. Constamment adoré. Constamment adoré. Quand la présence de Dieu est quelque part, les hommes doivent prendre le temps de lui offrir l'adoration. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, regarde, Jean nous donne un aperçu, il ouvre une fenêtre dans le ciel et il voit des scènes, des multitudes de scènes. Il y a des scènes qui le frappent, qui le choquent, il dit waouh. Dans Apocalypse 4, il est écrit que quand les êtres vivants rendent gloire, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent à Dieu quoi? Gloire, honneur, action de grâce. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Mon ami, ça c'est le Père. Dis Amen. Sa domination ne passera jamais. Lui, il vote tout le monde, mais on ne l'a jamais voté. Il est Dieu d'éternité en éternité. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Dans l'infiniment, comme on dit encore, au siècle des siècles. Il est celui qui est. Il subsiste par lui-même. Il n'a pas de date de naissance. Non, mais il est seulement. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et pendant qu'il est assis sur... Il est quoi? Il est assis sur le trône. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne. Or les couronnes, c'est leur symbole de gloire. C'est le symbole de leur puissance, de leur autorité, de leur triomphe, de leur domination. Mais devant Dieu, tout ce que tu es, tout ce que tu as ne vaut plus rien. C'est de la boue. Ça ne vaut rien. Aucun titre, aucune fonction, aucune position. Rien n'a de l'importance quand on est devant le trône de Dieu. Quand on est devant le Père de gloire. Devant celui qui vit au siècle des siècles. Le propriétaire de tout souffle. Le créateur de toute chair. Le créateur de l'immensité de l'univers. Devant lui, il dit, on se prosterne et on lui rend honneur. Louange, action de grâce. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne. Et ils disent au verset 11, ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Écoute les paroles que l'on dit dans le ciel. Ce sont les mêmes paroles que l'on doit dire sur la terre. L'adorateur prend ce qui est dans le ciel, il emmène ce qui est sous la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le...
Si tu as vu dans le ciel quelque chose, reproduis-le sur la terre. Si dans le ciel tu vois et tu entends des paroles, ramène-les sur la terre, parce que Dieu est dans le ciel, mais Dieu est aussi sur la terre, présent par son esprit. Donc quand je suis sur la terre et que Dieu est là, je dis les mêmes paroles. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la beauté, la splendeur, la majesté, la magnificence. Il dit, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il dit, toi tu en es digne parce que tu as créé toutes choses. Il a créé quoi? Toutes choses. C'est par sa volonté qu'elles existent. C'est par sa volonté que toi-même tu existes. Tout ce qui se meurt, bouge sur la terre, existe uniquement par sa volonté. Waouh! Et lui te dit, je suis ton papa. Mon ami, qui est fou pour ne pas honorer un tel papa, un tel grand frère, un tel ami. Oh, je pensais que tu allais me dire un bon amen. Oh, oh. Gloire à Dieu. Dis-moi gloire à Dieu. Donc même quand tu dis gloire à Dieu, ce sont les sons qu'on entend dans le ciel que toi tu dois dire sur la terre. Les vrais adorateurs entendent ce que Dieu dit ou entendent ce qui se passe là-haut et ils le disent sur la terre. Ils rendent gloire à Dieu. On ne rend pas gloire à Dieu comme on veut. Non, on doit le faire par l'Esprit. Or le Saint-Esprit, il vient du ciel pour te montrer, mon fils, ma fille, voilà comment on fait dans le ciel. C'est pas bolingo, bolingo, bolingo. Non, ça c'est pas ça dans le ciel. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne. Dans le ciel c'est comme ça, de recevoir louange et gloire. Tu es digne dans le ciel de recevoir. Ah ah, tu es digne. Abba Père, toi le Christ, tu es assis sur ton trône très élevé, à celui qui vit au siècle des siècles. Ça, je le dis sur la terre. Dans le ciel, on parle de cette manière. Enfin, tu es digne, tu es tellement digne de recevoir louange et gloire. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner un amen? Et ce n'est pas tout, je continue. Dans Apocalypse 5, une autre scène maintenant. Apocalypse 4, c'était la scène où on ne voyait que le Père qui est assis sur son trône de gloire et de splendeur et de puissance. Waouh, dis avec moi le Père. Non, je n'ai pas entendu. Dis le Père. C'est ton papa, dis le Père. Mais c'est mon papa, dis amen. Le Père. Maintenant dans l'Apocalypse 5, verset 11, on voit acte 2. Quand il commence en disant qu'il vit, il cherchait quelqu'un, il vit un livre et il cherchait quelqu'un qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, d'en défaire les sceaux. Il vit un livre qui était scellé par sept sceaux. Et il dit, et puis il entend une voix forte dans le ciel qui dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il a entendu la voix forte d'un ange. Et Jean dit, je regardais, je vis, j'écoutais, je regardais. Et il était choqué. Il dit, comment? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était digne, n'était capable d'ouvrir le livre que tout le monde voyait. Un livre que tout le monde voit, mais personne ne peut l'ouvrir. Et pendant que Jean dit, mais ce n'est pas possible. Apocalypse 5, il dit, mais c'est une tragédie, mais comment ça se fait? Et il commence à pleurer parce qu'il sent que c'est un drame si personne ne peut ouvrir ce livre. Ce livre contient toute la destinée de l'humanité. Et là, l'ange lui dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, l'agneau de Dieu, le fils de Dieu, le fils éternel de Dieu, celui qui a été crucifié, enseveli et ressuscité d'entre les morts le troisième jour, celui qui est monté dans la gloire du Père. Celui-là, il est le seul digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il est de la postérité de David. C'est un descendant de David, dans la chair,
Lui, il a vaincu. Lui, il est capable. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et il vit au milieu du trône comme un agneau qui arrivait. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Oh, oh. Dis-moi gloire. Ah, magnifique Jésus. Tu vois, nous, quand on chante, quand on dit à Jésus, toi seul es digne de recevoir, on dit ça parce qu'on a entendu dans le ciel et on le dit sur la terre. Oh, je croyais que tu allais dire un amen. Au verset 11, il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Je vous dis qu'autour du trône, il y a du spectacle glorieux, il y a de l'activité. Quand Dieu est là, il faut qu'il y ait de l'activité. Pas des programmes, non, de l'activité de l'adoration. Quand Dieu est quelque part, il faut qu'on l'adore. Nous avons un Dieu à adorer et puis un monde à conquérir. Un Dieu à honorer et puis un monde, un Congo à gagner à Jésus-Christ. Et ça se fera. D'une manière ou d'une autre, ça se fera. Un jour, on dira que le Congo est un pays 100% chrétien. C'est mon rêve et je ne mourrai pas sans voir le Congo être embrasé par la passion de Jésus-Christ. Ah non, je ne mourrai pas. Ce n'est pas la peine de faire des combats pour me tuer, je suis intuable. Quand j'aurai vu le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, être embrasé par Jésus, être embrasé par la bonne nouvelle de Jésus, sauver le maximum d'âmes, là on dira, ouais, on peut maintenant mourir. Je dis amen pour moi-même. Donc vous qui avez l'intention de me tuer, vous ne pouvez pas me tuer. D'ailleurs, on ne tue pas un adorateur. L'adorateur, il part quand le temps est venu. On ne le tue pas. On ne l'assassine pas. Oh non, on peut le calomnier. On peut l'accuser, mais on ne peut pas le tuer. Aucun diable ne pourra me tuer avant mon heure. Jamais. Pas de principauté. Satan ne pourra rien faire avant mon heure. J'ai été loin de Dieu pour cette génération. Je partirai quand le Congo aura été embrasé. Et quand vous, là, les fils de la famille, c'est vous, vous leverez pour embraser la nation pour Jésus. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis amen. Je le dis toujours. Les enfants de la famille spirituelle Impact Centre Chrétien, vous allez, si moi j'ai atteint ce niveau-là, vous allez atteindre un niveau beaucoup plus élevé. Allez voir. Vous irez beaucoup plus loin. Le même Jésus qui m'a appelé, c'est le même Jésus qui vous appelle. Et ICC, ce n'est pas une église où on bloque les gens pour dire non, non, non. Toi, laisse-moi d'abord moi. Jamais. On libère les potentiels. On libère les destinées. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Brillez dans le monde. Va briller. Le pasteur Yves te soutient. Va briller dans le monde. Tu fais deux choses. Tu sers le Christ et tu travailles pour gagner le monde à Christ. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc, veuillez vous asseoir, je continue. Donc, Apocalypse 5, on nous donne le deuxième épisode où maintenant ce n'est plus seulement le Père, mais c'est le Père et le Fils qui sont ensemble. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Dis avec moi, beaucoup d'anges. Où ça? Autour du trône. Des êtres vivants et des vieillards, des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, pas d'une voix basse comme ton voisin fait des fois. Non, ils criaient. L'agneau qui a été immolé est digne. Il est quoi? Digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la puissance, l'honneur, la gloire, la louange. Oh, quelqu'un dit amen. Ça, c'est l'adoration qu'on donne à Dieu dans le ciel. Et il faut que ce qui est dans le ciel vienne sur la terre au travers de toi, au travers de moi. Quelqu'un me dit amen. Et au verset 13, il dit toutes les créatures. Dis avec moi, toutes les créatures. Les hommes, pas les hommes, on ne sait pas quel, combien de types de créatures il y a. Mais toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve.
Donc personne n'échappe. Je les entendis qui disaient: à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur, soit la louange, soit la gloire, soit la puissance. Pas seulement aujourd'hui, mais d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Oh! Et les 24 vieillards, plutôt les 4 êtres vivants, disaient amen. Et les vieillards, ils se prosternaient et ils adoraient celui qui est sur le trône et l'agneau de Dieu. Oh! Adorer. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils ont dit: ah! Tout le monde, tout le monde prosterne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ne le fais pas. Mais je te montre l'exemple. À l'agneau de Dieu. Rimanda baba baba sikaba rimandere. Oh ramama sita ramande. Ils se prosternèrent et ils adorèrent. Tu es digne de recevoir louange et gloire. Tu es digne, tu es le Père de gloire de recevoir. Tu es l'agneau de Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons de recevoir. Nous t'honorons. Oh, Abba, Papa de grâce. C'est comme ça qu'ils adorent. Ils se prosternèrent et ils adorèrent l'agneau de Dieu. Ils adorèrent par l'esprit le Père de gloire. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Tu es tellement digne. Tu es. Voilà comment ils adoraient l'agneau de Dieu. Ils rendaient gloire à Dieu. De recevoir louange et gloire. J'imagine que ce jour-là aussi, il disait: merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges merveilleux. C'est ce qu'il devait certainement dire ce jour-là. Oh, et notre Dieu, notre Seigneur, tu es Dieu. Et tu es fait de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Assemblée, nous t'adorons. Nous élevons, nous élevons ton nom si grand. Assemblée, nous t'adorons. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Veuillez vous asseoir, n'est pas encore terminé. Pourquoi je dis quelqu'un dit amen? Mais c'est ce qui est écrit. Au verset 14, il est écrit: et les quatre êtres vivants disaient amen. Ils disaient quoi? Amen. Et après ils se prosternaient et ils offraient leur adoration. Tout dans le ciel, autour du trône, là où Dieu est présent, consiste d'abord en l'adoration. Adorer, on exprime l'amour, l'appréciation, la reconnaissance, l'affection, la dévotion. Et on dit des mots, mais des mots qui viennent de lui. Il n'y a aucun mot qui vient de toi qui va faire plaisir à Dieu. Mais c'est des mots qui sont poussés par son esprit qui est en toi, qui vont toucher Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, il déverse sa grâce. On ne vient pas demander: Seigneur, guéris-moi. Non, on adore, on l'adore. Et pendant qu'on l'adore, il guérit. Pendant qu'on l'adore, il délivre.
Pendant qu'on adore, il débloque le destin. Pendant qu'on adore, il connecte pour les mariages. Pendant qu'on adore, il donne des enfants. Pendant qu'on adore, il donne le travail. Pendant qu'on adore, il donne des commerces. Il donne. La clé, c'est l'adoration. La clé, c'est quoi? L'adoration. La clé, c'est quoi? Dis avec moi, l'adoration. Que Dieu fasse de toi un véritable adorateur. Si c'est à toi que j'ai parlé, donne un meilleur amen pour toi-même. Ah oui, oui, oui. Depuis le jardin de Éden, en réalité, le Père a toujours cherché sur la terre des adorateurs. C'est-à-dire des gens qui l'aiment d'abord. Il ne cherche pas des gens qui veulent seulement être bénis. Ils veulent des gens qui l'aiment, des gens qui l'apprécient. Que Dieu est béni, que Dieu n'est pas touché, que Dieu est touché, ce n'est pas un problème. J'aime Dieu, je suis attaché à Dieu. Que je marche à pied ou en voiture, ça ne détermine pas le niveau de mon adoration, de mon attachement à Dieu. Que j'ai un travail, que je n'ai pas de travail, ça ne détermine pas mon attitude devant Dieu. Vous me voyez aujourd'hui, mais hier, j'ai connu la galère. Mais d'ailleurs, moi je dis toujours, c'est dans les déserts, dans les galères de la vie que j'ai appris à connaître Dieu, à m'attacher à Dieu, à aimer Dieu. Donc ne croyez pas qu'une fois que cet homme-là est élevé par Dieu, maintenant il va oublier son Dieu. L'okuta moïbi, jamais! Bien au contraire. Oh, dis amen. Dieu a toujours cherché des adorateurs avec lesquels il a toujours voulu développer une relation intime. Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'intimité. C'est le Père, le grand frère, le Fils et le Saint-Esprit, notre compagnon, notre ami. Il est le Père en nous, il est le Christ en nous. Quelqu'un dit amen. Dieu a toujours cherché l'adoration. Il a toujours cherché l'amour. Il est amour, il donne l'amour. Mais il veut recevoir l'amour. Or, les hommes ne veulent que les bénédictions. Pesanga, Seigneur, Pesamounou, Seigneur, donne-moi. Il dit, mais personne ne s'intéresse à mon cœur. Personne ne prend du temps pour moi. Non, ICC, nous sommes une église d'adorateurs. Oh, dis amen. Dieu a toujours cherché des adorateurs. Et les hommes ont toujours cherché d'autres moyens pour éviter l'adoration. Et tout cela, ça a commencé depuis le temps de Moïse d'ailleurs. Depuis Moïse, Moïse a fait sortir. Dieu a fait sortir son peuple par son serviteur Moïse et les a emmenés sur la montagne du Sinaï. La montagne du Sinaï. C'était la montagne en réalité de la décision. Et ce jour-là, Dieu dit dans Exode 19 au verset 10, il dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier, de se consacrer, de se purifier. Parce que dans deux jours, trois jours, je vais me rendre visible. Autrement dit, Dieu dit, je vais rendre ma présence visible. Vous allez savoir que je suis là. Et tout le monde saura que je suis là. C'est ce qu'il est en train de dire pour toi et pour moi cette année 2019. On saura que je suis présent dans ta vie. Dis amen. Mais il s'est passé un événement tragique. Et c'est ça le problème. J'appelle ça le culte du temps de Moïse. Le système d'adoration que Dieu voulait établir avec le peuple qui est sorti de la captivité, qui est sorti de l'Égypte. Ce système n'a pas été bon parce que le peuple n'a pas obéi à Dieu. Dieu voulait se rapprocher d'eux. Regardez Exode chapitre 20 au verset 18. Regardez ce qui est écrit. Il est écrit que tout le peuple, quand Dieu est apparu dans la montagne, mon ami, quand la gloire de Dieu descend, qui est fou. On a même peur de se lever. Tu sens le poids de la présence de Dieu. La Bible dit que tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Et le son des trompettes. Ils voyaient des flammes de la montagne qui étaient embrasées. On en savait d'abisso. Il dit, à ce spectacle, le peuple commençait à trembler. Et il se tenait dans l'éloignement. Il dit, faut reculer, papa, faut reculer. Oui, parce que quand Dieu est là, quand la gloire de Dieu se manifeste, je te dis que même moi-même là, pasteur, papa Tika, Nganazaka brebis, je suis une simple brebis. Pasteur, tu es où? Le pasteur aussi, c'est une brebis. Mais dis amen, oh. Là, il n'y a pas de nom, je suis le bishop, l'archibishop. Dieu est là, mon ami. On reste calme. Le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Le peuple fuit. Et Moïse dit, et puis il dit à Moïse, Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions.
Moïse dit au peuple, non, n'ayez pas peur, ne fouillez pas. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour que vous ayez la crainte de Dieu dans vos cœurs. Que Dieu vous apparaît de la sorte. Il vous met à l'épreuve, il veut que vous appreniez à le craindre. Parce que là où Dieu est respecté, il se manifeste. Là où Dieu est aimé, il se manifeste. Là où il est respecté, il se manifeste. Donc c'est pour ça, mais n'ayez pas peur. Il dit, non, Moïse, qui est fou? Non, malgré les paroles de Moïse, verset 21, le peuple restait dans l'éloignement. On ne va pas approcher. Ils ont fui la présence de Dieu. Dieu les invitait à entrer dans l'intimité, dans la véritable adoration. Parce que la véritable adoration, c'est l'intimité sincère. C'est l'amour sincère. Ils ont dit, non, nous on reste loin. Quelle tragédie. Mais Moïse, il s'approcha de la nuée où était Dieu. Dans là où tout le monde avait peur, Moïse s'est approché. Il dit, moi je veux Dieu. Moi je cherche la présence de Dieu. Je veux l'intimité avec Dieu. J'ai compris que seule la présence de Dieu peut transformer ma nation, transformer mon environnement, transformer mes circonstances. Mais tu vois, ce jour-là, ça a révélé deux choses. Que dans le peuple de Dieu, il y a la majorité et la minorité. La majorité, ils veulent respecter Dieu seulement à distance. Donc ils viennent par exemple que le dimanche. Par exemple, tu vois, le dimanche seulement, je suis à l'église, pasteur. Mais c'est seulement le dimanche. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Non, ne sois pas mal à l'aise. Oh, c'est un exemple. Et puis il y a les autres. Dès qu'il y a une opportunité pour rencontrer Dieu, il dit, je pose mes journées. Je prends congé. Donnez-moi juste une journée. Je vais aller honorer Dieu. Je vais aller communier avec Dieu. Je vais aller adorer Dieu. Mais les autres, ils sont toujours... Il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas Dieu. Ils ne cherchent pas l'intimité. Ils cherchent juste la crainte de Dieu, mais de loin. Bénis-moi Seigneur, j'ai un boulot. Gloire à Dieu. Mais il y a d'autres comme les Moïse là. Comme quelqu'un ici là. Dès que tu entends qu'il y a une opportunité. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Le peuple a choisi ce qu'on appelle le respect, mais de loin. Moïse a choisi l'intimité. Alors que la volonté de Dieu, c'était l'intimité. La montagne de Sinaï, c'est la montagne de la décision. Allez-vous rentrer dans l'intimité avec Dieu et devenir des adorateurs? Ou allez-vous rester des chrétiens toujours éloignés? Tout ce qui vous intéresse, c'est les conférences, les programmes. Et tu entends dire, amen, amen, mais ne changeons jamais. Alléluia, mais ton cœur n'est jamais attaché à Dieu. Alléluia, mais toujours jaloux et plein de gris, plein de méchanceté à l'intérieur de ton cœur. Oh Seigneur Jésus, sois béni, mais ton cœur est mauvais et tu ne travailles pas. Emmène ton cœur dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, change mon cœur. Change-moi. Non, il y en a qui ne veulent pas le faire. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur m'a dit, vous devez choisir à la montagne de la décision. Parce que nous sommes actuellement à la montagne de la décision. Certains veulent s'engager avec Dieu. Parce qu'ils ont compris que je ne cherche pas le travail, l'argent, les enfants, le mariage. Si tu cherches ces choses, tu vas t'égarer, tu vas te perdre. Cherche la source de toutes ces choses. C'est Dieu. Et Dieu nous a tout donné en Jésus le Christ. Tu cherches le Père. Et quand tu cherches le Père, il te révèle le Fils. Quand tu trouves le Fils, il te révèle par le Saint-Esprit. Mais la racine de toutes choses, c'est Dieu. Ne cherche pas. Oh, je cherche à me marier. Les enfants, laisse, cherche Dieu. Il donne les enfants. Il donne aussi les moyens de les élever. Il donne aussi la sagesse. Il donne aussi l'intelligence. Oh, toi, tu n'as cherché que des enfants. Tu auras un enfant, mais il donne aussi des enfants en bonne santé. Les enfants intelligents, les enfants sages. Cherche Dieu. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dis amen. Oh. Dieu voulait que les hommes s'approchent. Ils rentrent dans son intimité. Mais les hommes ont dit non, on veut ce monde. Et dans l'église, même pasteur, il y a des pasteurs, beaucoup de pasteurs ne connaissent pas l'intimité. Mais ils connaissent les serments. Alléluia, 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 Hosanna, alléluia, alléluia. Oui, d'accord. Mais Dieu t'attend, pasteur, dans sa présence. Est-ce que toi, tu es un adorateur? Est-ce que tu es un intime? Est-ce que tu prends le temps? Parce que dans l'intimité, on se dit tout. Hein? Dans l'intimité avec Dieu, on dit, papa, je t'aime. Il te répond, je t'aime mon enfant. Papa, aide-moi à t'aimer. Papa, aide-moi à t'aimer. Fais-moi t'aimer. Papa, tu es digne de louange. Mon père, tu es digne de gloire. Je passe mon temps comme ça seulement. Je te célèbre.
je te bénis, je te loue, je t'aime. Oh papa, oh Seigneur Jésus, toi tu es mon grand frère. Waouh, tu as tout donné pour moi. Je t'aime, je te célèbre, je te bénis, je t'exalte. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on dit dans l'intimité. C'est dans l'intimité. C'est ça, le cœur de l'adorateur. On peut être pasteur, apôtre, évangéliste sans être un adorateur. Par contre, on peut être un adorateur sans être pasteur, sans être bishop, sans être bishop, évangéliste, prophète. Non, 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 non. L'adorateur, c'est une question de cœur. Et quand on parle d'adorateur, je vous dis toujours, la référence des références dans la Bible, quand on parle d'adorateur, la première personne à qui on pense, c'est qui? David. Quelqu'un me dit amen. C'est qui? C'est David. Jésus, on l'appelle le rejeton de David. C'est-à-dire la postérité de David. La descendance. On dit bien, il est de la lignée. David a marqué le cœur de Dieu. David a touché le cœur de Dieu. Puisse-toi aussi toucher. Puisse-tu être quelqu'un qui touche le cœur de Dieu. Oh, dis amen. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu a rendu lui-même. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a rendu témoignage à David dans Acte 13. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. J'ai trouvé le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. David avait des dispositions de cœur tournées vers Dieu. Je reviens dessus parce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes ce que David a fait qui a marqué autant Dieu. David était un homme connu pour son grand amour pour Dieu. David était un homme connu pour sa grande passion pour Dieu. Oh, David, un homme exceptionnel. Il avait appris à servir Dieu dans sa divinité et à servir Dieu dans son humanité. Quelqu'un me dit amen. Il était roi. David était un homme, un serviteur de Dieu. Il était un roi, un grand roi. L'équivalent d'un grand puissant chef d'État. David, un homme simple, mais avec un cœur en or. Un cœur qui est tourné vers Dieu. Un cœur passionné de Dieu. David a encouragé la plupart des gens de sa génération. Aimez Dieu, adorez l'Éternel, célébrez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Vous tous les peuples, vous toutes les nations, vous les grands, les petits, aimez l'Éternel, exaltez l'Éternel, rendez gloire à l'Éternel. Toujours en train d'encourager les autres, toujours en train de dire aux autres, faites comme moi. Et puis lui montrer l'exemple. Il fabrique des instruments à 4 cordes, à 5 cordes, à 6 cordes. Tout cela pour avoir des différents sons, juste pour adorer Dieu, juste pour dire à Dieu sa passion, son amour, son attachement. Oh David, oh David, oh, de la postérité de David, le Messie est venu. David, mais David était un roi, c'était un homme politique, c'était un homme d'État. Un homme politique, dit amen. Un homme riche, dit amen. Très riche. Et pourtant, il aimait Dieu. Et vous voulez faire croire aux gens qu'on ne peut pas être un homme politique et en même temps aimer Dieu. On ne peut pas être un homme d'État et être attaché à Dieu. On ne peut pas être un chef d'État, mais zélé pour Dieu, assoiffé de Dieu. David nous l'a montré. David est la preuve que c'est possible. Dieu va susciter de cette église des hommes d'État qui vont impacter le Congo. Oh. Donc tu comprends, on peut être un homme aux commandes de la nation, mais un passionné de Dieu, comme David, un assoiffé de Dieu. Ah! C'est les gens comme ça que Dieu aime. C'est ce que tu vas devenir. C'est ça. David dit à Dieu, le gars il est politicien, il est roi. Il doit gérer d'abord donc son parti politique. Il doit gérer maintenant l'empire. Il doit gérer la famille. Mais David dit à Dieu, ô Éternel, 7 fois le jour, je te célèbre. Dans le psaume 119, il dit quoi? 7 fois par jour. 7 fois par jour, je te célèbre à cause de tes justes sentences, à cause de tes lois. 7 fois le jour. À quelle heure? Les gars, j'ai audience, pause. Je dois aller voir Dieu. Il va voir Dieu. Il adore Dieu. J'étais en audience, mais j'ai fait une pause pour t'honorer. Je te célèbre, je te bénis. Ô Éternel, mon Dieu, ma forteresse, mon libérateur. Il dit, Seigneur, au nom de Jésus. Ça, c'est la version d'aujourd'hui. Je t'ai adoré. Et puis, il repart. Oui, alors, vous disiez quoi, là? On va gérer les affaires du royaume. Ah, il faut intervenir là-bas. Oh, mais dis amen. Oh. C'est ça. Que Dieu fasse de toi un adorateur passionné de Jésus. David avait compris.
Le cœur de Dieu était embrasé d'amour pour David. Le cœur de David était embrasé d'amour pour Dieu. C'était un amour entre un père et son fils. David. Dans le psaume 26, David dit, alors qu'il est hyper occupé, un homme très occupé, il dit au verset 6, dans le psaume 26, il dit, je fais le tour de ton autel, ô Éternel. C'est-à-dire, je viens devant le trône. Je suis devant le trône. Et je viens pour faire quoi, David? Il dit, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. La version dit, éclater en action de grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tellement de choses. Et je viens aussi raconter toutes tes merveilles, c'est-à-dire tes actes étonnants, tes actes merveilleux, tes actes magnifiques. Il dit, je viens autour du trône. Oh Seigneur, j'ai vu ce que tu as fait la dernière fois. Je suis émerveillé. Oh, béni soit ton nom. Waouh, regarde ce que tu as fait dans la vie de cette femme. Waouh, Seigneur, reçois la gloire. Reçois mon action de grâce. Ça, c'est le roi. Il vient autour du trône juste pour apprécier Dieu. Mais c'est ça le cœur de l'adorateur. Il vient apprécier Dieu. Oh, dis amen. Oh. Il dit, verset 8, Ô Éternel, j'aime la maison où tu résides. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. David cherchait seulement là où était la gloire, c'est-à-dire la présence de Dieu, l'arche de Dieu. David laisse le bureau, il va pendant un petit temps dans la maison de l'Éternel. C'est le même David qui a dit, je demande, alors qu'il est menacé par les ennemis, à gauche, à droite, il dit même pas, oh Seigneur, tue-les. Il dit, non. Je demande à l'Éternel seulement une chose que mon cœur désire ardemment. Dans le psaume 27, verset 4, il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, afin de contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Oh Éternel, je veux demeurer là où tu es. Je veux être là où tu es, parce que là où tu es, il y a power. Là où tu es, il y a abondance de paix. Là où tu es, il y a abondance de joie. Là où tu es, mon cœur est restauré. Là où tu es, Seigneur, fais-moi aimer ta présence. Oh, que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. En réalité, je vais terminer en vous disant que David avait compris comment il fallait accueillir la présence de Dieu. David avait créé un système. Dis avec moi, un système. David avait compris que quand Dieu est quelque part, il faut d'abord l'adorer. Mon ami, nous avons un Dieu à adorer. Si tu es né de nouveau, tu dois apprendre à être un adorateur de Dieu. Tu dois apprendre donc à aimer Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Arrête de chercher les choses. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et tu auras tout. Fais de l'Éternel ton charme, ton plaisir. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais fais d'abord de lui tes délices, c'est-à-dire ton plaisir. Fais de Dieu ton plaisir. Ça veut dire quoi? Pas de l'onction, sa présence. Dans sa présence, sa puissance va se manifester. Ne cherche pas sa main, cherche sa présence. Cherche à lui plaire, cherche à lui faire plaisir. Cherche à l'aimer, cherche à le célébrer. Cherche à l'apprécier. Pourquoi? Parce qu'il en est digne. Cherche d'abord ça. Et lui-même, quand il voit que tu es en train de le chercher, son cœur, il va te rencontrer toujours. Et quand il te rencontre, c'est pour changer ton histoire, changer ton destin, changer tes circonstances. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen et je termine. Dieu avait montré à David. David aimait tellement Dieu que Dieu lui a montré le secret pour accueillir sa présence. Il lui a dit, David, moi quand je viens quelque part, crée un système. Et le système que David a créé, c'est le système le plus performant. C'est la plus haute forme d'adoration que Dieu recherche. Quand il dit « je cherche des adorateurs », il a expliqué à David bien avant. Ça voulait dire quoi? Qu'est-ce qu'il cherchait réellement? Alors il dit à David, mets en place un système. On a appelé ce système le tabernacle ou encore la tente de David. Et même le prophète Amos a prophétisé dans Actes chapitre 15. L'apôtre Jacques reprend la prophétie de Amos au verset 15. Il est écrit, les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, disait l'Éternel, je reviendrai et je relèverai la tente ou encore le tabernacle de David qui était tombé. Et j'en relèverai les ruines et je le redresserai. Dieu fait une promesse. Il y a eu le temple de Moïse. Il y a eu la tente de Moïse. Il y a eu le temple de Moïse. Un beau temple. Mais il y a eu le somptueux temple de Salomon.
qui a coûté des milliards et des milliards et des milliards. Mais puis Dieu dit, j'ai vu le temple de Moïse, c'est moi qui l'ai donné. J'ai vu le temple de Salomon, j'ai aussi demandé de bâtir. Mais il y a un temple qui m'a touché particulièrement, c'est la tente de David. Il dit, le temps va venir dans le temps de la fin. Je vais restaurer la tente de David qui était tombée. Je vais en relever les ruines, je la redresserai. Et pourquoi il va faire ça? Il dit, j'ai un but derrière. Verset 17, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles son nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Autrement dit, quand Dieu va relever la tente de David, les gens vont chercher Dieu. Les gens vont courir après Dieu. Les gens vont avoir soif de Dieu. Dieu va attirer des multitudes. Quand? Lorsqu'il va relever la tente de David. Dis avec moi la tente de David. La tente de David, lorsqu'elle sera restaurée dans les cœurs des croyants, lorsqu'elle sera restaurée dans l'église de Jésus-Christ, les masses vont se donner au Seigneur. Les gens vont commencer à chercher Dieu. Même les gens les plus durs seront touchés. Pourquoi? Parce que la tente de David avait un avantage sur les autres. Qu'est-ce qu'il a fait David? Il a créé un système. Par sa tente, Dieu a mis en place la plus haute forme d'adoration et de célébration de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Cette forme d'adoration était motivée uniquement par l'amour. Elle avait pour but de faire descendre la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais en quoi consiste la tente de David? Ce n'est pas le grand temple de Salomon, non. Avec la cour, les parvis, le lieu saint, le lieu très saint et le lieu très saint. Et le lieu saint séparé par un grand voile. Et dans le lieu très saint, seul le souverain, le responsable de tous les sacrificateurs des prêtres peut rentrer une seule fois par an. David a reçu la révélation. Il aimait tellement Dieu. David voulait avoir la présence de Dieu dans son pays. Il voulait avoir la présence de Dieu à Jérusalem, la capitale d'Israël. Tout comme nous voulons voir la présence de Dieu inonder Brazzaville, la capitale du Congo, afin que tout le Congo soit embrasé en commençant par la capitale. Quelqu'un me dit Amen. Alors laissez-moi vous terminer en vous montrant qu'est-ce que David a mis en place. Le système que David a mis en place, système redoutable. Qui lui a inspiré le système? Dieu. Si tu veux avoir le meilleur de moi, mets en place cette plateforme. Dis avec moi une plateforme. Alors, elle nous est révélée dans 1 Chronique 16, où il est écrit au verset 1. 1 Chronique 16. Je lis le verset 1, ensuite le verset 4 à 7, 4 à 6. Après qu'on eut ramené l'arche de Dieu. Donc, quand on a ramené la... Quand David a été nommé roi, priorité numéro 1 pour David, il faut ramener l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire ce qui symbolisait la présence de Dieu. Pas la puissance, la présence de Dieu. Ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Établissons l'arche de Dieu sous le mont Sion. Et quand on a mis l'arche de Dieu sous le mont Sion, alors que dans les autres temples que Dieu avait créés par Moïse et Salomon, il y avait plein d'accessoires, plein de pièces. Là, il n'y a aucune pièce. Il y a juste une petite tente avec des rideaux tout autour. Même pas des rideaux, des voiles tout autour. Oh! Et il met ça en plein cœur de Jérusalem, sur une montagne qu'on appelle la montagne de Sion. L'arche est là. Plutôt là, ce n'est pas tout le grand temple, non. Il a juste déplacé la présence de Dieu. Il a fait porter et il a posé dans une tente. Aux yeux, au su, à la vue de tout le monde. Même les païens voyaient, oh, ça c'est l'arche de l'Éternel. Tout le monde pouvait voir l'arche de l'Éternel. Et autour de l'arche de l'Éternel, il n'y a plus de pièces. Il n'y a que des adorateurs. Il a mis en place que des lévites. Donc des gens qui chantaient. Des instrumentistes, des gens qui jouaient des mélodies. Il dit après qu'on ait ramené l'arche, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Dit Amen. Et on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 4. David remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. Il remit aux lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient en charge de jouer la musique, de chanter des cantiques. C'était Asaph et tous ses frères, toute leur tribu de Lévites, c'était des adorateurs. Il dit, mettez-vous tout autour de l'arche. Tout autour de l'arche. Servez Dieu devant l'arche. Invoquez-le, louez-le, célébrez-le,
bénissez-le, exaltez-le, le Dieu d'Israël. C'est quoi ce système-là? Laisse-moi continuer. Verset 5, c'était Asaph, leur chef, Zacharie, le second après lui, etc., etc. Obed-Edom aussi. Ils avaient des instruments de musique. Des quoi? Des instruments de... des luttes. Des harpes. Et Asaph faisait retentir des cymbales. Et donc pendant qu'il est en train de faire l'autre, bam, 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 et les gens, d'autres étaient en charge. Au verset 6, les sacrificateurs sonnaient continuellement des trompettes. Ils faisaient des trompettes. Faites-moi retentir le son des trompettes devant l'arche de l'alliance. Que les trompettes, bam, 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 bam. Tout cela c'est seulement pour honorer Dieu. Tout cela c'est seulement pour Dieu. Regarde les instruments, harpe, violon, musicien, guitare, basse, guitare, folk, faites retentir les instruments en l'honneur de l'Éternel. Waouh! Et là. En l'honneur de l'Éternel. Dis amen. Les sacrificateurs sonnaient continuellement des trompettes. Ils sonnaient quoi? Continuellement. Donc le son des trompettes. En boucle, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 5 heures, 24 heures, et il recommence, 24 heures, famille par famille, groupe par groupe, chaque groupe vient, ils doivent jouer des instruments, et ils doivent chanter, et ils doivent invoquer, et ils doivent adorer, et ils doivent honorer, et ils doivent célébrer les cantiques, les louanges, la gloire de l'Éternel leur Dieu. David, crée-moi ce système. Permanemment, 24 heures sur 24, il faut que mon nom soit glorifié. Oh, quelqu'un dit amen. Verset 7. Ce fut en ce jour-là, verset 7, que David chargea pour la première fois. Pour la première fois. On n'avait jamais vu ça en Israël. On n'avait jamais vu en Israël. Pour la première fois, David chargea Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Dis amen. Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, quelqu'un venait de mettre en place un système où quand Dieu est là, organisez-vous, 24 heures sur 24, quelqu'un doit se tenir, un groupe de personnes doivent se tenir autour de l'arche de la présence de Dieu et célébrer Dieu. Ne lui demandez pas, bénissez son nom, célébrez son nom, louez-le, bénissez-le, exaltez-le, acclamez-le, criez pour lui. Faites seulement des actions de grâce. Bénissez son nom. Ne demandez pas. Dis amen. Verset 37. David laissa là devant l'arche de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils soient continuellement, permanemment de service devant l'arche, remplissant leurs fonctions, leurs tâches jour par jour. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Donc Dieu est là et on décide de juste honorer Dieu constamment. Quelqu'un doit se tenir dans un lieu. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Où nous sommes venus de 6h à 18h. Pas pour demander, juste pour honorer Dieu. Juste pour célébrer Dieu. Et nous allons le faire de gloire en gloire. Mais là, il est dit que jamais dans l'histoire d'Israël, on avait vu une telle chose. Jamais dans l'histoire d'Israël, on avait vu quelqu'un. Mais il était tellement assoiffé, amoureux de Dieu, qu'il voulait que Dieu règne, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé dans la nation. Mais jamais aussi on a vu quelqu'un dans l'empire a été aussi éclatant. Jamais on a vu quelqu'un dans le règne. 1000 ans après sa mort, on continue de parler de David comme étant la référence de tous les rois, de tous les chefs d'État qui n'aient jamais existé. Un roi bon. Un roi généreux, un roi intelligent, un roi aimant Dieu, un roi passionné de Dieu. Il a changé l'histoire d'Israël. Oh, quelqu'un dit amen. Au point qu'aujourd'hui encore, même en Israël, leur drapeau, c'est l'étoile de David. Tout ce qu'ils font en Israël, leur référence, c'est toujours David. Et pourtant, ils ont eu des Moïse qui ont fait des grandes choses. Ils connaissent les Moïse.
mais ils savent que il y en a un qu'on appelle David, qui a tellement touché le cœur de l'Éternel, touché le cœur de Dieu, que son nom a été gravé à jamais dans l'histoire. Dieu va susciter des David dans notre génération, des assoiffés de Jésus comme jamais auparavant. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je crois même que c'est dans ce contexte-là, alors qu'ils avaient mis en place leur système d'adoration, que de son palais, David regardait la montagne de Sion. Regarde, David dans son temple, dans sa maison. Mais comme le système est maintenant organisé, il y a un psaume qui a attiré mon attention. Le psaume 134. On l'appelle Cantique de Décret. Imagine David pendant la nuit. Il se lève la nuit. Le gars, il n'a pas sommeil, ou il se réveille un peu tôt. Et il regarde sur la montagne de Sion les Lévites, les sacrificateurs, en train d'offrir en permanence les louanges à Dieu. Il dit, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Il dit, bénissez l'Éternel. Quelqu'un dit, amen. Serviteurs de l'Éternel, vous tous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les heures de la nuit, élevez vos mains dans le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça, c'est un psaume où il est en train de constater qu'il y a des gens qui se tiennent devant l'Éternel même pendant la nuit et qui bénissent l'Éternel et qui exaltent l'Éternel et qui célèbrent son saint nom et qui bénissent son nom. C'est-à-dire quoi? Ils disent des bonnes choses à Dieu. Ils sont là, ce sont des adorateurs. Est-ce qu'il y a des adorateurs dans ce lieu? Il dit, levez vos mains dans le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Faites retentir des instruments en son honneur. Que l'Éternel vous bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Il dit, quand vous le bénissez, Dieu vous bénira. Dis amen. Servir Dieu, servir le Christ dans sa divinité, c'est d'abord l'adorer. Il est digne d'être adoré. Dans le ciel, on offre sans cesse à Dieu de l'adoration. Et alors sur la terre, on va à l'église, on va au culte, on va aux réunions. Mais les temps où on vient pour offrir à Dieu de l'adoration, 10 minutes seulement, 15 minutes seulement, 30 minutes seulement, une heure seulement. Mon frère, il faut que ça change. Il faut que ça... Il faut que ça... À partir de ce mois de février, désormais, les vendredis pour la famille ICC de Brazzaville seront consacrés journée de jeûne. C'est pas pour tout le monde. Non, attendez. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui le veulent. Ce n'est pas une obligation. Quelqu'un me dit amen. On va aller pas à pas. Mais à partir de ce vendredi prochain qui vient, notre temps atmosphère de gloire, c'est une plateforme qui avait été créée pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu. Désormais, de 14h jusqu'à 20h, tous les vendredis, de 4 après-midi en prière, de 14h à 20h, nous allons nous tenir dans sa présence pour le célébrer. Nous allons prendre le temps. Nous voulons prendre le temps. Le dimanche, on ne peut pas. L'heure passe trop vite. 6 heures. On va commencer d'abord par 6 heures. Et puis après, on va aller faire comme les David un jour. On va pas à pas. Si vous voulez avoir la fraîcheur de l'esprit, la puissance de l'esprit, la gloire qui est manifestée par l'esprit, il faut apprendre à créer le système que David avait mis en place. Si quelqu'un me suit, tu dis amen. On a vu la semaine... On a vu cette semaine qui vient de s'achever, comment certains venaient, ils étaient juste assis. Certains parlaient, certains ne parlaient pas. D'autres étaient prosternés, d'autres étaient debout. Chacun faisait ce qu'il voulait. D'autres tombaient, d'autres étaient touchés par le Seigneur. D'autres étaient visités par le Seigneur. D'autres pleuraient, d'autres riaient, qu'importe. Mais on est là, dans sa présence. Dans sa présence. Autour de sa présence. On offre à Dieu. On invoque Dieu, on adore Dieu, on rend gloire à Dieu, on célèbre Dieu, on raconte ses merveilles. Tu es digne,
Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être honoré. Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous te célébrons, nous t'apprécions. Tu es digne, reçois l'honneur, reçois la louange et reçois la gloire. Maintenant et à jamais, nous chanterons en son honneur. C'est le vendredi sera... Le vendredi sera pour nous, famille CC Brazzaville, un jour de jeûne et de rafraîchissement. C'est-à-dire que comme l'église d'Antioche, nous allons servir le Christ ce jour-là, le vendredi, dans sa divinité, en l'adorant. Et puis en priant, selon les sujets de prière qu'il nous donnera à l'instant même. Il y a des sujets de prière qu'on aura, qu'on les prépare, c'est vrai. Il y a d'autres, on ne prépare pas. Il nous les donne à l'instant même, on prie à l'instant même. Pendant qu'on entend de l'adorer, on prie à l'instant même, selon ce qu'il nous demande de prier. Est-ce que quelqu'un comprend et tu dis un bon amen à cela? C'est une instruction que j'ai reçue du Seigneur. Créer plateforme, créer des environnements. En plus, Dieu a déversé tellement de grâces sur la famille Impact Zone Chrétien. Il faut que les grâces que Dieu a déversées se manifestent. Voilà pourquoi il faut créer ce genre de plateforme. Sinon, tous ceux qui ont reçu parmi nous des grâces prophétiques, miracles, etc., ne pourront pas exercer. C'est la responsabilité du pasteur de créer l'environnement. Ou pas le pasteur forcément, non. Mais toute personne que Dieu a équipée, viens là et est utilisée par le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu donne, c'est pour l'utilité commune. Dieu ne m'a pas tout donné à moi. Non, il a équipé beaucoup d'entre nous pour faire toutes sortes de choses. Le cœur ne peut pas faire tout seul. La main gauche aussi ne peut pas faire tout seul. La main droite non plus. Les yeux, l'œil droit, l'œil non. Nous sommes un corps et le corps doit s'exprimer. Voilà pourquoi à partir de vendredi prochain, dis avec moi vendredi prochain, atmosphère de gloire. 14h, si tu viens à 19h, bienvenue. Tu viens à 14h, bienvenue. Tu viens à 18h, comme on faisait d'habitude, bienvenue. Mais nous voulons laisser le temps à Dieu. Nous voulons prendre plus de temps. Si tu as fini le travail, cours. Rejoins les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Juste adorer, juste honorer Dieu, juste célébrer Dieu. Dieu a donné à David le meilleur parce que David a donné à Dieu le meilleur. Famille, c'est ces crayons des plateformes. Nous aurons de plus en plus de temps comme ça selon que l'Esprit nous conduira. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Adorer. Acclame sa parole. Acclame sa présence. Acclame sa présence. Acclamons sa parole. Oh, rababa nele bobo si katarabaya. Oh, ramandele bro se katarabada. Ah, rababa tele bro do bobos. Amandele ki abate la baba. Re, oh, rababa se. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, les brobobo chakataba. Reçois la gloire, Jésus, reçois la gloire. Abba Père, reçois la gloire. Nous t'honorons ce matin. Reçois, reçois, reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous t'honorons. Reçois la gloire, tout honneur et louange à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Reçois la gloire, nous t'honorons. Reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es digne de gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Malébrando bobos et carrément de brobos can, et rababa rebende,
Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne. Magnifique Papa, magnifique Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié, Jésus. Ce matin, sois. Sois glorifié, Jésus. C'est mon esprit qui t'adore. Ce matin, Jésus le Christ, sois adoré, Jésus, sois adoré. Jésus, 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 c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, 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 c'est mon esprit qui t'adore. Jésus, Jésus. Prendre quelques instants juste pour parler à Dieu avant de terminer. Prends juste quelques instants. Il a dit bénissez l'Éternel, exaltez l'Éternel, vous habitants de la terre, parlez à Dieu, célébrez Dieu, racontez ses œuvres, proclamez sa bonté, racontez sa fidélité. Pendant les nuits, bénissez son nom, rendez gloire à l'Éternel, habitants de la terre. Prends juste quelques instants. Avant de terminer, le temps passe tellement vite. Prends le temps, Kako Raba Baba Baba Se Antele Brada Babos E Kabare Mabasa. Oh Rababane Barebo Seke. Oh Rababane Broto Kabare. Oh Ria Mama Si Kabarabayan. Oh oh oh. Ere Baba Se Kabare Ben. Oh Rababan, les bras to bobo bo sakata. Oui, la brande les bras baba sekata. Parababa et kaba. Nous te sommes reconnaissants pour ce premier jour de la semaine où tu nous parles ce matin.
Tu nous enseignes ce matin, nous te rendons gloire. Et la korababa de barebabos, les bradabos y kabarabam. Ah ah, Jésus karebabos et abare kamade. Oh rabababa si kababa, et rabababa, les rabababa chante les brocos kababa. Tendre Père, je t'adore. Les barébas si kabaraba, je te donne ma vie. Je t'aime. Paremande les brobobo chakata ramande les bossa. Oh, 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 il a brado bossete. Ce sont les paroles d'un adorateur. Oh, rababade, rebababase. Labasita rabanda baba. Oh, rabata les bras aussi amande les brosque ba. Oh Rababa, Shiatele Broko, Shakaraba. Il est le Père d'amour. Il est le Père de grâce. Le Père de gloire. Assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Il est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Nul ni personne n'est comparable à lui. Sa grandeur est insondable. Ses œuvres sont magnifiques. Le Père de la création, le Père de grâce, le Père de gloire. Il est digne d'être apprécié. Il nous a tellement aimés qu'il a donné tout ce qu'il avait de plus cher pour nous. Il a donné son Fils unique, Jésus le Christ, qu'il a sacrifié à la croix pour que tous les hommes soient pardonnés et ramenés dans son intimité. Il est le Père et nous l'honorons, nous le célébrons. Il est digne de recevoir louange, honneur et appréciation. Il est digne d'être célébré d'éternité en éternité, c'est-à-dire au siècle des siècles. Il est Dieu. Il est le Père. Korababarato, setabara, o bela bravo, sekabara yaba. Le robobo, simantarababa, le saka, la broska. Nous te bénissons. Nous te célébrons, Père. Le bravo, sekata. O rababa, ribababa, semanelebane. Père, nous te célébrons. Père, nous te sommes ce matin reconnaissants. Que peut-on offrir à celui qui est propriétaire de tout l'univers? Nous-mêmes qui avons été créés, nous sommes ton peuple et nous sommes le troupeau de ton pâturage. L'homme n'est rien, l'homme n'est qu'un souffle. Il paraît pour un peu de temps et il sèche et il retourne à la poussière. Mais nous ne sommes rien et pourtant tu as voulu que nous soyons ta création la plus parfaite, la plus raffinée. Tu as voulu, Père, dans nos imperfections, nos faiblesses, que nous soyons ta création, ton peuple, ta famille, tes enfants bien-aimés par Jésus le Christ, dont tu n'as pas hésité à sacrifier la vie, à faire verser son sang pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés et réconciliés avec Dieu, que nous devenions nous aussi les enfants de Dieu. Que sommes-nous? Nous ne sommes rien. Tout ce que nous pouvons dire que nous avons vient de toi et de toi seul. Tout existe par toi. Tout est en toi. Tout appartient. Propriétaire de l'univers. Maître et créateur du ciel et de la terre. Seigneur, c'est-à-dire souverain suprême. Que peut-on t'offrir? Tu as dit, tu cherches des vrais adorateurs. Tu veux des gens sur la terre qui t'aiment sincèrement, qui t'aiment de tout leur cœur. Du moins, ils apprennent à t'aimer. Parce que personne ne peut dire qu'il aime Dieu à la perfection. Mais nous pouvons tous dire que nous avons appris et nous apprenons toujours à aimer Dieu, à chérir Dieu, à plaire à Dieu, à honorer Dieu, à glorifier Jésus, à être des attachés, des amoureux, des passionnés de Jésus par le Saint-Esprit. Nous reconnaissons que tu es là par ton Esprit. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu. Béni soit ton nom, béni soit tes œuvres par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous apprécions, nous reconnaissons tes œuvres. Merci pour les inspirations, les grâces, les paroles, la grâce, le rafraîchissement que tu nous as accordé, que tu nous accorderas encore parce que nous allons de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Béni soit Dieu,
apprécié sois-tu, exalté sois-tu. Dans le temps qui nous reste, nous voulons te rendre la gloire, la puissance, l'autorité, la force, la louange, la majesté, la sagesse, le triomphe, la victoire, la domination, la beauté, la majesté, l'adoration de nos cœurs qui sont tournés vers toi. À toi l'honneur, Seigneur Dieu notre Père, Jésus notre Seigneur, Esprit de Dieu notre ami, notre consolateur, notre capacité, le Père en nous, sois béni, sois honoré, sois célébré, sois magnifié, Père, dans le nom de Jésus le Christ, nous te rendons grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant? Donne amen de reconnaissance à Dieu.